من جمعية قمر قاعدين باش نضمن لكم فيستيفال بور انفون كي اورا ليو لو 9 افريل. انا اسمي رمزي العبيدي بريزيدون دو لاسوسياسيون. Madame Suzanne, je m'appelle Suzanne Prade, je suis allemande et j'ai créé un festival pour enfants en Bosnie il y a très longtemps. On avait envie de le recréer en Tunisie et ça s'appelle le Kids Fest. Et le quatrième Kids Fest aura lieu à Sidi Bou Saïd le 9 avril. Le chikoun mène à partir de 14h de l'après-midi jusqu'à 18h. L'arrivée, معناها الصغيرات باش يجيو كلهم بحذا بلدات سيدي بو سعيد لوطا وين ثم لو غران رونبوان دو سيدي بو سعيد. C'est le rassemblement des enfants et après ça commence la parade où j'invite vraiment les enfants à venir déguiser avec leur déguisement l'enfant de futur. شنو تحب تكون انت في المستقبل؟ Voilà, ورينا شنو الهواية متاعك وشنو هي أمنيتك باش تولي انت كرجل المستقبل. Ça c'est le festival. Et après on continue jusqu'à on arrive au grand parking de Sidi Bou Saïd en haut, où il y a le restaurant Bon Vieux Temps, exactement, où il y a tous les ateliers, tous les stands. On a plein de partenaires qui vont offrir des surprises à vous, des ambassades, des associations. Il y a les écoles, il y a des animations. Tu m'as déjà envie d'y aller, Ramzi, hein? C'est vrai, c'est quand ce Kids Fest, c'est le 9, le dimanche 9. Et on a pensé au Kids Fest, pour vous résumer un peu l'histoire de cette chose qu'on a voulu créer, comme un anniversaire, que tous les enfants ont leur anniversaire, et le Kids Fest, c'est l'anniversaire de tous les enfants en même temps. Voilà, et on voudrait que vous nous montrez ce que vous savez faire. Donc, on a un programme pour vous, les enfants. Mais on voudrait aussi que les enfants, vous-même, vous nous montrez une partie de vos talents. Donc, on a quelque chose que Ramzi n'a pas encore mentionné, c'est le Kids Stage, la scène des enfants. Alors, Ramzi, tu voudrais bien expliquer comment ça marche? Le Kids Stage, c'est l'enfant qui devient le star du festival. On vous prépare un grand stage où il y a la musique, où il y a l'ambiance et tout. Et pendant toute l'année, on a des écoles qui travaillent avec nous et qui ont préparé les enfants qui vont présenter de la musique, de la danse, de théâtre et plein de surprises. On a tout un programme bien chargé, voilà, pour les écoles qui encore voilà, je vous invite à participer, à nous contacter. Vous aurez tous nos coordonnées dans le site web de Tunivision. On a notre site web viaculte.de où il y a toutes les informations nécessaires pour le Kids Fest. Venez, préparez-vous et surtout, alors ce que Ramzi disait bien pour le stage, même si cette année vous n'êtes pas sur la scène, c'est pas grave, vous venez applaudir les autres, vous préparez parce que le Kids Fest c'est tous les années et les enfants se préparent toute une année pour avoir leur moment de star. C'est pas un talent show, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de compétition, c'est que les applaudissements du public et la joie, et on fait la fête tous ensemble. Et on voudrait que les enfants prennent un bain de culture, on voudrait que vous découvriez plein de pays, il y a beaucoup d'ambassades et chacun vous montre un peu ce qui est spécifique de son pays, comme vous montrez aux ces étrangers comme moi je suis allemande, la plus belle image de la Tunisie. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des stars, vous êtes intelligents, vous êtes vibrants, vous êtes géniaux, et c'est ça que le monde entier doit voir. Et c'est pour ça qu'on crée le Kids Fest aussi en Italie, bientôt en Allemagne, on fait à partir de la Tunisie. Maintenant, vraiment, on voudrait gagner le monde entier avec les enfants pour qu'on soit tous happy together. Et à travers nos enfants, on fait voir le message que la Tunisie, elle est en paix et c'est notre bel pays, la Tunisie. Voilà. Et Tunisair nous aide beaucoup parce qu'il nous aide à exporter ce festival un peu aussi dans d'autres pays ou de faire amener aussi des intervenants au Kids Fest ici à Tunis. Donc tout ça, c'est encore un projet assez jeune et vous avez tous les moyens de participer, et ça c'est aussi pour les adultes. Ne pensez pas que c'est que pour les enfants, venez aussi quand vous êtes un grand enfant comme moi pour vous amuser et pour soutenir la cause de la Tunisie, de l'enfance, de la diversité culturelle et d'un amour global qu'on peut tous porter ensemble en tant qu'être humain, sans s'occuper de la couleur. Merci.